Salut à tous, c'est Zitax. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le tout premier épisode de ce que veulent les abonnés sur GTA 6. Vous étiez nombreux, mais nombreux à participer. Et au fur et à mesure, on reviendra sur les anciennes vidéos. Donc n'hésitez pas dès à présent, vous, à me dire ce que vous souhaitez sur GTA 6 dans les commentaires de la vidéo. Une nouvelle map, des animaux, enfin bref, tout ce que vous souhaitez dans les commentaires de la vidéo. Sauf qu'il a déjà été dit, justement, dans cette vidéo. Évitez. Du coup, je reviendrai aussi sur la vidéo précédente pour faire le prochain épisode. Parce qu'il y a eu énormément de bonnes idées. N'hésitez pas dès à présent à mettre votre petit commentaire. On commence tout d'abord sur GTA 6. Il faudrait des voitures avec des vraies marques. On va pas les citer, je les cache, mais ça serait juste incroyable, ça serait juste magnifique, ça rajouterait un côté beaucoup plus réaliste. Malheureusement, ça serait impossible, je pense, étant donné qu'il faut payer les marques pour utiliser leur image. Ça serait beaucoup trop cher, je pense, mais ça serait juste magnifique, franchement. Voilà, mais je pense pas que ça sera réalisable. Être 100 dans les sessions online ou plus. Alors, si on est 100 dans les sessions, il faudrait des serveurs qui tiennent beaucoup plus. Déjà à 30 sur GTA 5 online, c'est limite, ça lag pas mal de fois. Hein. Mais à 100, pourquoi pas s'il y a un nouveau justement serveur qui tient plus ou une nouvelle console, je pense. Pourquoi pas, ça devrait être faisable. Un vrai désert avec des dunes de sable, ça c'est vrai que ça pourrait être vachement sympa, un petit peu à l'image de Dubaï. Ça serait juste ouf d'avoir plusieurs mondes, on va dire, dans la même carte, c'est-à-dire une partie ville, comme Los Santos, une partie désert, une partie jungle, une partie avec différents endroits, différents environnements, ça pourrait vachement être sympa. Et une map qui évolue dans le temps, ça serait bien aussi avec différentes saisons, ça serait vraiment magnifique, un petit peu à l'image de Forza Horizon, donc ça serait vraiment plutôt nice. Que les flics essaient de nous arrêter et de pas nous tuer, ça serait aussi quelque chose de pas mal, franchement, que justement les flics viennent nous arrêter. Pas forcément qu'ils nous tuent directement, ça serait beaucoup plus réaliste et beaucoup plus fun, je pense, qu'ils nous emmènent au Comico, qu'ils nous retirent nos armes, qu'ils nous retirent des sous et tout, donc ça pourrait vraiment être pas mal. Et j'aimerais pour la map qu'ils gardent Los Santos, mais rajoutent un plus grand désert avec des dunes de sable, mettre au moins 5 villes, une forêt, plein de montagnes avec des îles habitées. Donc c'est un petit peu ce que j'ai dit justement auparavant, donc ça, vraiment de très très bonnes idées. On continue, pour GTA 6, les maps des anciens GTA réunis, un peu plus d'interaction avec les objets, pouvoir entrer dans certains bâtiments ou maisons pour aller voler des objets et les revendre, et surtout des braquages, les dégâts des véhicules plus réalistes, conduire le train, un système de vente d'armes illégales genre le marché noir où tu peux acheter des armes ou autre chose sur le téléphone sans passer par les magasins, pouvoir acheter et modifier l'emplacement des meubles dans notre propriété, et enfin avoir des villas, je vois gros peut-être, je sais pas, mais pourquoi pas. De très bonnes idées, franchement ça pourrait vachement être sympa d'avoir une map qui réunit toutes les autres maps des anciens GTA, ça serait juste oufissime. La possibilité de customiser son appartement et sa propriété, ça pourrait être vraiment aussi une bonne idée. Comme ça, les appartements seront uniques, mais je pense que ça serait compliqué à mettre en place. Conduire le train, forcément, je veux un train sur GTA 6. Sur GTA 5, il y en avait. Sur GTA San Andreas, il y en avait. Donc, sur GTA 6, je veux un train, tout simplement. Ensuite, j'aimerais bien que Rockstar mette deux personnages sur GTA 6, un gars, une fille. J'aimerais aussi que tous les bâtiments, sans exception, soient modélisés. Enfin, j'aimerais un mode réalisateur comme GTA 5, mais plus complet. Alors, on a déjà cette possibilité d'avoir un personnage garçon, un personnage fille sur GTA 5. Il suffit juste de switcher de personnage. Et ensuite, au niveau de la texturisation, la modélisation de tous les bâtiments sur le jeu, comme dit, sur PS4, ça serait totalement impossible, même si moi je pense que GTA 6 ne sortira pas sur PS4, mais sortira sur la prochaine console. Mais ça serait vraiment ouf, la possibilité de rentrer dans n'importe quel bâtiment, que tous les bâtiments soient modélisés mais ouverts, hein, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et un mode réalisateur, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup kiffé sur GTA 5, et je veux que ça revienne bien entendu sur GTA 6, avec beaucoup plus d'options, par exemple, peut-être pourquoi pas obtenir plus de véhicules, des véhicules de police, des tenues, vraiment un petit peu comme un mode menu sur PC, ça serait vraiment nice. Moi je vous ferai un épisode hors série où je vous donnerai ce que moi je souhaite sur GTA 6, et puis voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarder de like, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Ciao tout le monde.